essaye. Et à 15. Nous allons lire ensemble. C'est affiché pour ceux qui n'ont pas de Bible. Et lisons la parole. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez à son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan, comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à une autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. C'est profond l'écriture. Hein? Amen. Très profond. Ils étaient très peu nombreux. Amen. Hein, peut-être que vous êtes rien dans ce monde. Personne ne tient compte de vous. Mais Dieu ne permettra jamais. Pas. Amen. Il n'a pas permis même au roi. Amen. De les opprimer. Dieu. Prends soin de vous. Merci Seigneur. Disons encore une autre écriture. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Merveilleux. Le psaume 111. Le psaume 111, donc non loin de là où nous étions. Et nous prenons le verset 10. Lisons la parole. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une saine, raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Prions l'Éternel. Dieu, notre Père Céleste, nous venons avec respect vers l'Éternel, avec révérence, Seigneur, devant cet endroit, cet auditoire, et prendre position, Père éternel, pour ta parole. Nous l'avons lu, Père éternel, et nous voulons que cela soit une vie en nous. Nous voulons, Père éternel, que quand tu parles au Dieu, que cela puisse nous apporter, Père éternel, des bénédictions dans nos âmes. Que cela ne nous éloigne pas, Père éternel, mais que cela nous rapproche encore plus de toi. Amen. Nous voulons, Père éternel, qu'en parlant au Dieu, que ton Saint-Esprit puisse conduire chaque chose. Amen. Et que tu enlèves toutes pensées humaines. Oui, et que tu nous donnes, Seigneur, ta parole, en fait, que cela soit une vie pour Amen. Nous. Oh, Père éternel, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis-nous ensemble encore ce matin. Que quand nous quitterons ce lieu, que nous puissions dire de Dieu était avec nous. Amen. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux, amen, ce matin de nous retrouver encore à la maison de Dieu. Et comme je le dis toujours, c'est une grâce. Amen. C'est un privilège.
Frère, nous disons ces choses, mais vous allez vous rendre compte qu'un jour, vous verrez que non, ce qu'on dit là, c'est vraiment la vérité. Ce matin, il y a de ceux qui souhaitaient être aussi à l'église. Amen. Il y a de ceux qui voulaient aussi y aller quelque part. Il y a de ceux qui souhaitaient peut-être aller visiter des malades et toutes ces choses-là, mais lui-même ne peut le faire. Il est dans l'incapacité de se mettre même debout. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Et frère madame disait toujours que chaque jour que Dieu nous donne, nous devons remercier Dieu. C'est une grâce. Un jour, vous allez vous rendre compte que je suis sur le lit, mais tu ne sais pas te mettre debout. C'est ça. Mais quand Dieu te donne cette occasion, alors je dois le louer. Amen. Je dois l'adorer. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je dois glorifier son nom. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi un chrétien, c'est celui qui vit pour dire, Seigneur, merci. Merci pour tout. Amen. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour toutes les choses. Amen. Amen. Dieu t'a donné peu l'occasion de te mettre debout. Va louer Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, c'est très très important pour les croyants de savoir que nous ne sommes pas sur la terre pour nous satisfaire. Mais Dieu nous a mis sur la terre pour sa gloire. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. C'est pour lui qu'il vous a créé. Il nous a créé pour qu'on soit toujours l'instrument que Dieu peut utiliser. L'instrument auquel Dieu peut se mouvoir. L'instrument auquel le monde peut voir que Dieu est vivant. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Il nous a créé pour que nous puissions toujours être là pour l'adorer. Pour montrer au diable qu'il y a un Dieu vivant. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Mais ce matin, j'aimerais, nous allons parler vraiment comme à l'école de dimanche. Peut-être que je ne prendrai pas beaucoup de temps. Et nous allons parler un peu du respect. Amen. Dites amen à ça? Amen. Du respect. Frère Branham parle du respect pour nous montrer que quand Dieu parle du respect ou de la crainte, cela ne veut pas dire que vous devez avoir peur de cette personne. Okay. Dites amen à ça? Amen. Il dit, quand nous parlons, il dit ceci dans le paragraphe 45, ceux qui ont le message, vous pouvez le suivre. Il dit, je désire tirer de cela le sujet suivant, le respect. Nous lisons donc ici à propos de cela. C'est David, le psaume que nous venons de lire, qui parlait de cela. Il dit alors, dans l'Ecclésiaste aussi, au chapitre 12, prenons aussi Ecclésiaste, ça va nous aider. Ecclésiaste. Ecclésiaste qui a trouvé. C'est après ou avant? Comment? C'est après les proverbes. Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste chapitre, je vais prendre là, chapitre 12. Le verset 13. Ecclésiaste 12, il dit ceci. Le verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. C'est là? Comment? C'est ça, hein? Oui. Ecclésiaste donc 12, le verset 13. Qui a la version d'Arby ici? Quelqu'un a la version d'Arby? Quelqu'un a la version d'Arby? Ou Louis Segond révisé? N'importe. Quelqu'un a ça? Bon, ok, sinon je vais dire. C'est quoi? Quelle version, frère? Ah, c'est pas fier. Ah, réviser. Ok, donne-moi celui-là. Je voulais vous faire pénétrer quelque chose là. Donc. Thank you.
Quand je lis l'écriture, il dit, les paroles des sages sont comme les aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme de clous plantés, elles sont données par un seul maître. Amen. Donc, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul maître. Dites amen à ça. Maintenant, quand nous parlons donc d'irrespect, frère madame dit ceci. Quand on parle de respecter une personne, quand on parle de respecter quelque chose, parce qu'on peut respecter même une maison. Dites amen à ça. On peut respecter le bien d'autrui. On peut respecter le bien public. Ça veut dire, cela ne veut pas dire que vous avez peur de ça. Non. Amen. Cela ne veut pas dire que vous avez peur. Il dit ceci, voyez-vous. Quand on dit cela que nous voulons, Dieu réclame l'âme de respect, cela, 48, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudriez pas le faire. Quand nous parlons d'irrespect, le respect ne veut pas dire que je perds de la personne. Frère madame dira quelque part qu'un homme, un vrai homme, respecte sa femme. Dites amen à ça. Et une vraie femme respecte toujours son mari. Mais cela ne veut pas dire que vous, femmes, vous devrez avoir peur de cet homme. Non. Ni vous, hommes, vous avez peur de votre femme. Non. Mais vous respectez votre mari. Et t'as vu ça? Amen. Ça veut dire que vous lui devez la révérence. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Dis t'as vu ça? Vous craignez de lui blesser, de dire quelque chose auquel il peut dire, oh, pourquoi il a fait ça? C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça le respect. Dis t'as vu ça? Amen. Il dit, c'est cela que nous devons savoir. Cela veut dire que je lui dois du respect. Je la révérence. Amen. Je respecte ce qu'il est. Je crains. Frère madame dit, je crains même ma mère. Mais pourtant, je n'ai pas peur de ma mère. Quelqu'un peut dire la mère à ça? Je crains mon père. Mais pourtant, je n'ai pas peur de mon père. Quelqu'un peut dire la mère à ça? Donc, si j'ai quelque chose à parler à mon père, donc, je lui dois du respect. Je lui parle avec révérence. Mais je n'ai pas peur de lui en parler. Dites amen à ça. Amen. J'ai ma mère. Je crains ma mère. Cela ne veut pas dire que je dois avoir peur de ma mère. Non. Je dois respecter ma mère. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Pour quelle raison? C'est pour dire que je ne peux pas faire quelque chose qui puisse attrister mon père ou ma mère. Je ne veux pas faire quelque chose qui puisse attrister mon Dieu. Amen. Amen. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Amen. J'aimerais, vous savez, je ne vais pas vous dire que voilà tout ce qu'on peut faire. Non. Ce que Dieu fait, c'est dire que nous faisons du mal tous les jours à Dieu. Vous savez cela? Mais pourquoi Dieu ne vous tue pas? Amen. Qui peut répondre à ça? Nous faisons du mal tous les jours à Dieu. Mais pourquoi Dieu, il pouvait vous tuer? C'est sa loi. Dites amen à ça. Il peut vous effacer de la terre. Mais pourquoi il ne fait pas? Mais parce que vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Amen. Mais vous l'attristez de tout ce que vous faites là. Et maintenant, quand on craint Dieu, alors on a la révélation. Amen. Vous avez la révélation de ne pas faire quelque chose qui puisse faire du mal à votre Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, les gens marchent aujourd'hui dans le monde, les gens courent par-ci, par-là, et laissant des choses, abandonnant des choses, offensant des personnes, offensant Dieu, sans se rendre même compte de ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen.
Et dit, voyez-vous, il marche d'une manière ou d'une autre, sans crainte de Dieu. Dieu, nous devons dire respect. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici encore. Parce que c'est quelque chose que l'Église doit être enseignée. L'Église doit être enseignée. Et quand Branham parle de l'enseignement, c'est pour que chacun de nous puisse comprendre comment on doit marcher sur cette voie que Dieu a choisie pour toi et pour moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, c'est bien de venir à l'église, c'est bien de prier, c'est bien de faire tout ce que nous pouvons y faire, mais est-ce qu'on a la révélation de ce que nous venons faire? Dites amen à ça? Est-ce qu'on se rend compte de ce que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu... Il s'attend de quoi à toi? Qu'est-ce qu'il attend que tu puisses faire? Il faut que l'église soit enseignée pour marcher. Et Dieu n'appelle pas une personne en jugement, amen, sans que cette personne soit d'abord avertie. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit alors, voyez-vous, donc paragraphe 50. Il dit, je crée mon église. Paragraphe 49 d'abord. Je crée ma mère, je crée ma femme. Ah, les gens diront, ça c'est un efféminé. Non. Dites amen à ça. La crainte ici, je viens de vous expliquer c'est quoi. Un homme ne peut pas avoir peur de sa femme. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais Branham dit, je crée ma femme. C'est justement, je ne vais pas faire quelque chose qui puisse déranger ma femme. Mais je sais que quelque chose peut arriver. Elle ne me fera rien. Dites amen à ça. Il sait que s'il veut, peut-être que mon mari ne me fera rien. Mais pour ne pas me blesser, elle ne voudra jamais le faire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça que je vous ai donné l'exemple ici. Quand nous faisons du mal tous les jours à Dieu, mais Dieu ne vous tue pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand nous avons la révélation maintenant, je n'aimerais pas faire quelque chose que Dieu soit toujours triste. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Dieu, voyez donc, je crée ma mère, je crée ma femme, je crée mon église. Je crée tous les serviteurs de Dieu, soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Vous croyez à ça? Amen. Notre façon de parler, notre façon de dire des choses, notre façon de voir certaines choses, fait, on doit contrôler chaque mot. Amen. Il t'amène à ça? Amen. On doit examiner chaque mot qui est dans votre cœur avant de le prononcer. Vous ne savez pas peut-être que ta façon de dire des choses, ça blesse quelqu'un à côté de toi. Il t'amène à ça? Et il y a des fois, on ne s'en rend même pas compte. Voyez-vous? Il dit, voyez, c'est quoi la chose? Qu'est-ce que nous voyons? Donc, je ne peux pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens. Je crains les gens de la ville. Soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Nous avons vu ici que, frère Branham, nous avons lu la semaine passée pour voir qui est chrétien, comment, les vendredis nous avons encore dit, comment il faut devenir chrétien. Dites amen à ça. Partout où nous passons, partout où nous vivons, nous avons des gens qui nous observent. Vous pouvez dire amen à ça. Amen. Même dans vos écoles, même dans votre travail, ne vous en faites pas, vous êtes donc surveillés. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Vous êtes surveillé. C'est-à-dire que frère Branham est en train de dire, craindre Dieu, ce n'est pas que j'ai peur que Dieu va me punir ou que Dieu va me tuer. Non, Dieu ne peut pas tuer son fils. Quelqu'un va dire amen à ça? Amen. Non, il ne le fera jamais. Craindre Dieu, c'est de ne pas faire quelque chose. Il dit, voyez-vous, tout le monde sait que dans votre quartier, vous priez. Dites amen à ça. Amen. Quand vous avez maintenant la crainte de Dieu, vous éviterez de faire quelque chose que les gens disent, ah, même un qui ça, c'est quelque chose qui fait mal à votre Dieu. Dites amen à ça. Ça, c'est la chose qu'on doit éviter. Que les gens disent, oh, on pensait qu'eux aussi, ils étaient des chrétiens. Dites amen à ça. Ça fait mal à notre Dieu. C'est des choses comme ça qu'on doit veiller. C'est des choses comme ça qu'on doit discuter. Qu'on vienne attendre que des couples, des chrétiens de fer qui se bagarrent dans la rue. Ah, dites amen à ça.
des gens qui vont tous les jours le matin à l'église, des gens qui sortent de leur maison, tout le monde sait qu'ils vont à l'église, et bien le lendemain, on les voit en train de se bagarrer dans la rue. Et ce sont des païens maintenant qui viennent vous séparer. Quelle honte! Quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a des fois, vous ne vous rendez pas compte. Mais au ciel, votre Dieu est dans la honte. Si vous pouvez, si le diable pouvait le porter, regarde. Regarde tes enfants sur qui tu comptes. Parce que nous avons une accusateur là aussi. Et cet accusateur, c'est qui? C'est le diable. Il dit, regardez, Frère Madame dit, je dois tout faire. Je dois tout faire pour que les gens ne puissent pas se poser des questions. Mais lui aussi, elle aussi, elle aussi. Je crois que vous attendez toutes ces choses dans les quartiers, partout, dans le monde. Vous attendez toutes ces choses. Il dit, voyez-vous, donc, je ferai, paragraphe 41, je crée les gens de la ville, soucié de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Voyez-vous, vous, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir d'abord la crainte et Dieu juge cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et nous l'avons vu l'autre fois. Je vous ai lu une citation ici où Branham dit, un homme n'a pas d'amour s'il n'a pas Dieu en lui. Dites amen à ça. Amen. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si Dieu n'est pas en toi. Parce que l'amour, il n'y a que Dieu. Dites amen à ça. Amen. L'amour, c'est Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas aimer une personne. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen. C'est impossible. Vous ne pouvez pas respecter une personne. Vous ne pouvez pas respecter quelqu'un si l'amour de Dieu n'est pas en vous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Madame dit que Dieu, il y a des fois, il donne sa loi, mais lui-même vit sa loi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il ne le donne pas pour les autres, et lui, il se met à l'écart. Non. Comme serait un général, un faux général, qui envoie les autres au combat, lui, il reste dans les bureaux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Lui, il va avec vous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand il y a les combats, c'est lui qui est en premier. C'est lui qui est en première ligne. Quand il dit quelque chose, lui-même accomplit sa parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Et pour qu'un homme accomplisse la parole de Dieu, il faut que Dieu lui-même soit dans cet homme-là. Sinon, c'est impossible. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, donc, qu'est-ce que nous voyons? Avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Et Dieu exige cela. Il réclame le respect. Voyez-vous? Oui, Dieu le réclame. Et la crainte l'amène. Nous savons que la crainte amène le respect. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Frère, vous savez, respecter une personne et que vous savez que c'est quelqu'un parce que vous devez vous mettre à sa place. Et toi, tu te mets à la place de l'autre. Si tu, toi, tu cherches qu'on te respecte, donc tu dois faire quoi? Respecter aussi les autres. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Ça, c'est la loi de Dieu. Amen. C'est une loi qu'on ne peut pas changer. Vous dites amen à ça? Amen. C'est la loi. Quand vous prenez ces biques ici et que vous les jetez par en haut là, il finit par faire quoi? Par descendre. C'est quoi? C'est la loi de la quoi? De la pesanteur. Vous êtes avec moi? Quand vous prenez ça, vous jetez. La loi de Dieu dit que ça doit toujours descendre. Parce que la loi de la pesanteur dit ainsi. Amen. Vous pouvez prendre n'importe quoi et que vous le faites, ça doit toujours descendre. Dites amen à ça. Pourquoi? C'est la loi de Dieu. Et c'est cela. Si vous voulez qu'on respecte, vous respectez, respectez aussi les autres. Amen. Ce que vous aimez, vous allez le récolter. D'une manière ou d'une autre, qu'on soit innocent, qu'on soit, je ne sais pas, ignorant, mais vous allez payer ce que vous aimez. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, Frère Madame dit, quand vous plantez le maïs et qu'à côté il y a l'ivraie et que vous arrosez, ça va sortir. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça ne va pas dire, bon, moi, je suis l'ivraie, on n'a pas besoin de moi, je ne sors pas. Non! Ça va sortir. Parce que c'est la loi. Quand vous plantez,
ça doit faire sortir. Vous dites amen à ça? Dieu c'est pareil. Et pourquoi les gens pensent que Dieu est compliqué? Dieu n'est pas compliqué. Dieu est très simple. Amen. Dieu est trop simple, c'est pourquoi les gens le passent dessus. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu est trop simple que les gens lui marchent dessus. Dites amen à ça? Amen. Et ils pensent que Dieu est là. Or, Dieu est ici. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et il dit ça là, c'est par révélation que nous devons voir ces choses et marcher avec cela. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tu vois devant toi, tu dois savoir qu'il y a un Dieu quelque part. Amen. Et si tu es ici, c'est par la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez, il dit, voyez-vous, donc je ne ferai pas quelque chose pour que les gens puissent penser que je ne suis pas un chrétien. Voyez-vous, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir d'abord la crainte. Amen. Maintenant, prenez par exemple un homme qui soit fermier ou peut-être un ouvrier à qui personne ne fait attention. Mais laissez-les simplement trouver un emploi dans la police et qu'il descende de la rue en tant que policier avec son uniforme et son... Voyez-vous? Mais maintenant, il prend un exemple. Que, il y a des fois, vous vivez avec cette personne-là, partout. Ouais, vous savez, il peut être un simple balayeur de la rue. Amen. Ou un fermier quelque part qui élève ses moutons et toutes ces choses-là. Mais que le lendemain, vous le voyez descendre la rue et que cet homme est devenu policier. Dites amen à ça. Et dit, vous allez remarquer que même les gens qui ne lui disaient pas bonjour, ils vont venir. Ah, bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, monsieur l'agent. Dites amen à ça. Pourquoi? Ils ont du respect parce qu'ils ont peur de l'homme. Dites amen à ça. Ils n'ont pas peur de l'homme, mais ils ont du respect à cause de sa fonction. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils ont du respect à cause de sa fonction. Frère Madame dit, si vous ne savez pas respecter une personne, respectez-le au moins à cause même de sa fonction. Amen. Tu sais que celui-là, c'est un papa. Mais toi, tu es un jeune, tu es un enfant. Mais respecte au moins parce qu'il est papa. Il peut être comme ton père. Dites amen à ça? Amen. Tu sais que c'est une maman qui te donne conseil. Et toi, par arrogance, parce que tu es jeune fille, parce que tu es jolie ou ceci, tu manques de respect. Branham dit, respectez-la en cause même de cette fonction-là de maman. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voilà ce qui manque, le discernement aux gens. Et des conséquences, vous adorez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, respectez cet homme-là à cause de cette fonction-là. La Bible dit, vous savez, même dans l'église, ici, vous devez respecter ceux qui sont plus âgés que vous. Amen. Savez-vous cela? Amen. Respectez ceux qui sont plus âgés que vous. Et quelque part, frère Madame dit, pas seulement ceux qui sont plus âgés, même le plus petit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Même le plus petit. Il dit, même ceux, vous devez dire respect à ceux qui vous apportent la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est pas pour rien que Dieu parle de ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit voilà, maintenant prenez cet exemple-là. Et qu'est-ce qui fait cela? Il respecte la fonction de cet homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Il respecte l'état de cette personne. Il dit, oh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il dit, prenez l'exemple. Aujourd'hui, si Kennedy, il prenait l'exemple de son président, Kennedy, à l'époque, qui était le président des États-Unis. Il dit, si Kennedy n'était pas le président, pensez-vous que beaucoup de gens allaient lui dire respect? Dites amen à ça. C'était un homme ordinaire comme tous les autres. Est-ce que vous dites amen à ça? Si vous prenez votre roi ici, aujourd'hui, est-ce que s'il n'était pas roi, les gens allaient les respecter comme on les respecte aujourd'hui? Non. Mais pourquoi on les respecte? Qui me répond? À cause de sa fonction. Dites amen à ça. À cause de cette fonction-là, tout le monde couvre les chiens. Dites amen à ça. Le roi, on ne parle pas avec le roi comme on parle avec n'importe qui. Dites amen à ça. Non, même sa famille, même la famille royale, dernièrement, un frère m'a invité à la fête du roi. Vous entendez parler chaque année du roi de Belge. Il fait, en fait, une fête pour le roi.
Toute la famille royale vient là-bas. On appelle des sénateurs, on appelle des ministres, on appelle des ceci ou des tout. Tout le monde vient. Et ils choisissent aussi dans la population au hasard. Amen. Ils tirent au sort quelques citoyens qui peuvent aller dans cette fête-là. Ils invitent des associations, des choses comme cela. Et cette année, ici, on était invités. On était là. Et on disait, est-ce qu'on peut prendre les photos avec Laurent, par exemple? On peut prendre les photos avec les ministres qui sont là. Les gens disent, mais vous savez, le roi ou la famille royale, il faut que lui commence. N'est-ce pas? Hein, s'il accepte. Donc, on ne s'approche pas du roi comme on veut. Non. Ce n'est pas votre ami. Amen. Vous pouvez être né le même jour, dans le même hôpital. Mais lui, il est roi. Tu lui dois dire du respect. Dites amen à ça. On nous a dit, bon, il faut d'abord. Alors, nous, on a approché aussi, on a demandé à ces gens-là, comment on appelle les gardes de corps, là. Est-ce qu'on peut prendre la photo avec le roi? Il n'y a pas de problème, vous pouvez le demander. Et lui-même, il nous a dit, ah, les Africains, venez. Et on a pris des photos avec le roi. Mais c'est lui qui. Pourquoi? Mais parce qu'il est de la famille royale. Dites amen à ça. Donc, on ne peut pas faire des choses comme vous le voulez. À qui que ce soit, pour chaque fille de Dieu, pour chaque fils de Dieu, vous lui devez quoi? Dire. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et dit, voyez-vous, quel deviendrait, quel serait Kennedy ce soir, s'il n'était pas le président de Kennedy, voyez-vous? Arriverait-il qu'il était vraiment le même homme que maintenant? Mais qu'il soit un ouvrier ici, voyez-vous, chez Golgotha, où $40 par semaine, voyez-vous, il traversait cette ville et personne ne ferait vraiment attention à lui. Voyez-vous, si ce n'est pas propre associé. Mais étant donné qu'il est le président des États-Unis, il mérite le respect. Dites amen à ça. Frère, vous savez, vous les enfants, frère madame dit ceci. Dieu vous a permis que vous puissiez naître dans cette famille-là. Que cet homme soit un petit homme comme ça. Que cette maman-là soit une petite fille comme ça. Vous lui devez quoi? Amen. Parce que c'est votre père. Dites amen à ça. Que votre maman soit comment? Vous lui devez du respect. Amen. Pourquoi? Mais parce que c'est ma mère. Parce que c'est mon père. Dites amen à ça. Amen. Que votre passé soit un petit homme comme ça. Vous lui devez quoi? Du respect. Vous dites amen à ça? Amen. Peu importe qui que Dieu place devant vous, vous lui devez du respect. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Les gens meurent dans des bancs des églises. C'est ça. Ça, c'est Branham qui dit ça. À cause des bancs de quoi? Des discernements. Quand vous avez. Un professeur, par exemple, dans une classe. Ici, on attend beaucoup de choses. Hein. Vous savez? Ah, celui-là, il a injurié le professeur. Celui-là, il a fait ceci. Celui-là, il a fait cela. En classe. Mais quand on lui a mis là devant, vous dites amen à ça? C'est parce qu'ils ont vu que lui, il connaît mieux que toi. Oui. Quelqu'un peut contester ça? Non. Parce que si toi, tu étais mieux que lui, c'est toi qu'on allait mettre là. Donc les inspecteurs, avant d'engager avant d'engager un instituteur, vous dites amen à ça, il y a des conseils de classe. Il y a des conseils. Donc ces gens-là, les directeurs, ils font leur réunion, ils ont des critères. Dites amen à ça. Ils ont des critères. Que pour engager quelqu'un, il faut qu'il soit comme ça, qu'il fasse comme ça, qu'il soit ceci, il faut qu'il connaisse un peu cela, qu'il a fait des études pédagogiques. Souvent, c'est ça. Hein? Il a fait des études pédagogiques, il a terminé, il a un diplôme, donc il peut enseigner. Il est apte à enseigner. Dites amen à ça. La première chose qu'on vérifie, c'est leur diplôme. Mais Dieu fait la même chose. Amen. Croyez à ça. Amen. Hein? Pour que Dieu engage aussi quelqu'un, Dieu aussi le vérifie d'abord. Amen. Dieu doit examiner est-ce que cet homme-ci, il est capable, il peut arriver, il peut faire ça. Il fait exactement la même chose. Amen. C'est-à-dire que quand on vous envoie un professeur, donc le directeur sait que c'est le meilleur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Qu'il l'a trouvé,
pour vous enseigner. Et quand cet homme vient, vous lui devez quoi? Du respect. L'Italie là ça. Et regardez, souvent, quand vous manquez souvent du respect à votre professeur, à votre directeur, à votre maman, à votre père, à votre pasteur, à votre... Peu importe celui que Dieu élève devant de vous, si vous manquez du respect, ces gens-là, leur vie est toujours problématique. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce n'est pas que lui qui va faire que cela soit ainsi, mais c'est la loi de Dieu qui amène ces choses. Vous êtes avec moi? Maintenant, regardez. Il fait un homme dit ceci. Dans ce message dont nous sommes toujours le respect, il dit, Jésus n'a-t-il pas dit toutes les fois, d'abord au 53, parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect, c'est vrai. Amen. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Voyez-vous, ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce que ce qu'il dit, il confirme ça. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère, vous devez savoir ça. Que quand à l'école, je vous donne l'exemple terre à terre pour que vous compreniez. C'est-à-dire que quand une direction a engagé un professeur ou un directeur de discipline, dites amen à ça, cet homme, quand il est devant dans ses fonctions et qu'il vous punit, dites amen à ça, le directeur doit reconnaître ça. Est-ce que je me fais comprendre? Le directeur doit reconnaître ça. C'est-à-dire que quand on dit, bon voilà, le maître m'a puni, et alors le directeur ne peut pas venir dire, voilà, mais pourquoi tu l'as puni? Allez, allez, allez. Non. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il reconnaît l'autorité dans cet homme. Parce que c'est lui qui lui a envoyé. C'est lui qui l'a placé là. Alors il ne peut pas se contredire lui-même. Dieu fait la même chose. Dites amen à ça. Quand vous manquez de respect à ses serviteurs, vous dites amen à ça. Donc Dieu ne peut pas être content de vous. Et il dit, comment vous le saurez? C'est quand cet homme dit quelque chose et que la chose arrive. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Observez ce qui se passe après que vous avez manqué de respect à ton frère, à ton père. Si c'est vraiment ton père, tu vas voir les résultats. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est ça qui confirme que non, cet homme-là, c'est vraiment mon père. C'est vraiment Dieu qui l'a mis là. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il dit voilà. Il dit comment nous constatons cela? Il dit voyez-vous? Il dit il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers eux. Et lorsque vous respectez ces serviteurs, vous respectez Dieu. Dites amen à ça. Amen. Vous respectez Dieu. Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand je respecte mon épouse, quand je respecte mes enfants, quand je respecte mon frère, quand je respecte mon pasteur, quand je respecte mon diacre, je respecte qui? Dieu. Vous ne verrez pas Dieu ici venir là vous dire que voilà, c'est moi Dieu. Dieu est esprit. Il travaille toujours au travers de ces gens-là. Amen. Dieu, vous le voyez, vous le voyez au travers de frères et sœurs. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les gens pensent que, je ne sais pas, vous, non, les gens s'imaginent des choses. Dieu est au milieu de vous là. Dieu est dans chaque frère, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Amen. Voilà Dieu. Et manquer du respect à cet homme là, vous avez manqué à qui? À Dieu. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, ces choses, nous avons des ennuis, nous avons beaucoup de problèmes dans notre marche chrétienne. C'est parce qu'on ignore toutes ces choses. Amen. Frère, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et aller parler du mal de ton frère. Tu n'aimes pas Dieu. Non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu peux prier toute la nuit ici et que tu ne respectes pas ton Dieu, tu ne respectes pas ton frère, tu ne respectes pas ta soeur, tu n'aimes pas Dieu et Dieu ne peut pas accomplir ta parole.
d'aucune manière. Vous êtes avec moi? Il dit, c'est la façon de faire de Dieu. Vous pouvez tout faire. Dieu nous montre toutes ces petites choses pour que nous, c'est pour notre bien. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il dit, voyez-vous, ils prouvent qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Et lorsque vous respectez ses serviteurs, il dit, vous respectez qui? Dieu. Et lorsque je respecte ma soeur, lorsque nous nous respectons les uns les autres, nous respectons qui? Dieu. Il t'amène à ça. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de miens, c'est à moi que vous l'avez faite. C'est Jésus qui a dit ça, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'ils ont vu Jésus en chien? Non. Il dit, pour tous ceux-là qui viennent à mon nom, amen, qu'ils soient petits ou grands, tout ce que vous avez fait, des petites choses, des biens que vous avez fait ou à mal, c'est à moi que vous l'avez fait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça me vient là. Mon épouse regardait un film là, des témoignages des musulmans là. Alors, ce musulman, c'était un musulman. Alors, il y avait sa fille qui a crié, qui est devenue chrétien. Et le papa, vous savez comment le musulman agit, hein? Le papa a dit, quoi? Nous, nous sommes des musulmans, tu ne peux pas accepter la chrétienté. Non, je ne peux pas accepter ça. Tu dois, il commençait à frapper cette femme, cette fille. Il a pris le fouet et il a commencé à tabasser sa fille, à la frapper. Voyez. Donc, c'est des choses aussi que je pouvais dire en parlant de cela. Papa ne croyait pas, mais les enfants ont pris position pour la parole. Est-ce qu'on dit amen à ça? Maman ne croyait pas, mais cet enfant-là, elle a dit non, moi, je sais, je vis. Dites amen à ça. Elle a dit. Peu importe, vous savez, le problème c'est, avec nous, c'est quoi? C'est qu'on dit, bon, non, sinon, peut-être, si c'est un bon, c'est. En matière de Dieu, quand vous prenez position pour Dieu, Dieu est avec vous. Amen. Que ce soit votre père, que ce soit votre mère. Parce qu'il y a un père au-dessus de votre père. Amen. C'est Dieu son nom. Amen. Quand je suis dans sa volonté, donc je suis parfaitement en harmonie avec ce Dieu-là. Amen. L'homme a pris le fouet, il a commencé à taper ça. Sa fille, parce qu'elle partait à l'église. Elle pleurait. À un moment, on commence maintenant, c'est papa qui commence maintenant à pleurer. Il lui jette son fouet, il commence à crier. L'enfant, voyant son père maintenant, commence à pleurer. Mais qu'est-ce qui arrive? Elle vient encore voir. Mais papa, qu'est-ce qui arrive? Le papa, vous savez ce que le papa a vu? Il dit que pendant que je suis en train de te frapper, je vis que je frappais Jésus-Christ. Amen. Tu t'amènes à ça. Amen. Ne touchez pas à ma maison. Tout ce que vous négligez là. Tu t'amènes à ça. Papa a dit quoi? Qu'est-ce que. Il a dit non. Quand je suis en train de te frapper là, j'ai vu que je suis en train de frapper qui? Jésus. Jésus est en vous. Amen. Tu t'amènes à ça. Amen. Quand vous faites du mal à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous avez fait du bien à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu est dans ses enfants. Dieu veut se mouvoir dans le corps de ses enfants. Faites attention. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, regardez, cet homme, toute sa famille, ils sont devenus des chrétiens. C'est-à-dire, avec cette expérience, l'affaire, même si le monde musulman tout entier se mettait là à dire que non, vous devez arrêter ça, il ne paye jamais. Ils préféreront mourir que d'abandonner ça. Amen. Quelqu'un fait l'amen à ça? Amen. Il dit, c'est une expérience que chacun de nous doit chercher à voir. Nous jouons parce qu'on pense que Dieu est une utopie. Mais le jour qui passera une expérience avec Dieu, frère, tu vas comprendre que non, ce Dieu-là, ce n'est pas une histoire. Amen. C'est une réalité. Amen. Quelqu'un fait l'amen à ça? Et depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, tu agiras différemment. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Il dit depuis ce jour-là, tu agiras différemment. Frère, cette famille musulmane-là, vous pouvez monter des sangs. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh, c'est le président de la République qui donne la loi, plus de chrétiens. Et ils ne seront des chrétiens. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit respectez l'un de ces petits. C'est à moi que vous l'avez fait. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit voyez-vous? C'est ça la chose qui arrive. Jésus n'a-t-il pas dit cela? Voyez-vous?
Et nous comprenons que Dieu agit au travers de ses enfants. Ensuite, Dieu montre qui sont ses enfants. Il les montre par des prodiges et des signes qui arrivent. Amen. Amen. Lisez bien ça. Il les montre par des signes et des prodiges qui arrivent. Frère, chacun de nous, il sait comment Dieu agit dans sa vie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Chacun de nous, il sait comment Dieu agit dans sa vie. Amen. Et vous savez reconnaître Dieu dans ses enfants. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce n'est pas la grandeur qui fait cela. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas l'éloquence. Mais la vie de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. La vie de Dieu. Dieu, il dit, vous le saurez. Ce n'est pas parce que il a fait cela. Non, vous savez le fond de la personne. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu vous montrera. Quelqu'un peut dire amen à ça? Des petites signes, des choses comme ça. Dieu montrera que non, ici. Mais non, je ne vois pas autre chose que ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, Dieu est Dieu, il le fera. Vous croyez à ça? Amen. Nous allons maintenant, voyez, commencer à examiner les cas de certaines de ces personnes. Il dit, je devrais en nommer une. Voyez-vous, je voulais prendre donc Noé. Il dit, eh bien, regardez Noé. Noé avait une révélation venant de Dieu. Pourtant, elle était contraire à tout ce que leur démontrait la science. Amen. Regardez, Père Manon parle de Noé. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé à Noé? Noé, c'était un homme ordinaire. Vous savez cela? C'était un fermier. C'était un berger. Qui était là avec ses enfants tranquilles. Dites amen à ça. Dieu lui parle. Dieu lui dit, je veux que tu puisses construire l'arche. Parce que je veux faire pleuvoir. Je veux tuer tout le monde. Noé, dans sa simplicité, il a crié à cette parole. Croyez à ça. Et Noé a commencé à faire quoi? À construire l'arche. Maintenant, écoutez la suite. Frère Madame dit, Noé a fait le contraire de tout ce que le monde pensait. À l'époque, il n'y avait pas la pluie. La pluie ne tombait pas comme nous le voyons aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Là au ciel, il n'y avait pas la pluie qui tombait. Non, il n'y en avait pas. Dieu a arrosé la terre par une fraîcheur matinale. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais Noé a crié à quelque chose qui était contraire. Tous les hommes de science disaient qu'il n'y a pas la pluie au ciel. Et Noé a accepté cela. Noé a obéi à construire l'arche. Dites amen à ça? Et frère, madame dit quelque part, que le comble était que Noé les a. Donc Dieu, s'il veut vous confondre, il va vous faire. Donc il va vous faire rendre ridicule. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu, quand il veut vous confondre, il peut vous rendre ridicule. Pour que tu puisses comprendre que tu n'es rien. Dites amen à ça? Amen. L'orgueil, il y a des fois, ça nous tue. Amen. Mais Dieu, quand il veut vous confondre, il va vous rendre ridicule. Amen. Frère madame dit, le comble pour confondre ces gens-là, Noé, il prend l'arche, il va aller le confier sur une montagne. Ça les a dépassés. Ils ont dit, mais Noé, tu es malade, tu es fou. Et si on ne vous appelle pas fou dans ces mots, si Jésus n'est pas en vous. Amen. Non, une acclamation. J'ai parlé avec le frère dans une. On était là dans un petit groupe là. On parlait de l'homosexualité. Les gens parlaient comment le monde se passe aujourd'hui, comment les choses et c'est des choses. Moi j'ai dit, on demandait la parole à tout le monde qui était là pour. C'était un petit groupe de 15 personnes. Et on parlait. Et chacun donnait son avis par rapport à ça. Moi j'ai dit, s'il y a quelque chose que l'homme peut haïr, c'est l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, c'est à cause de ça que Dieu a détruit le monde. Sodome et Gomorre. Amen. Dieu a détruit ça. Dieu ne change pas sa pensée. S'il l'a fait à l'époque de Sodome et Gomorre, il le fera exactement la même chose. C'est-à-dire que les hommes aujourd'hui qui pervertissent, moi j'ai dit c'est une perversion. Oh, une blanche là a dit, mais Kimono,
Pourquoi tu peux dire que c'est une... Elle a commencé à pleurer. Pourquoi tu peux dire que c'est une perversion? Moi, j'ai dit, ah, maman, c'est le... Je m'excuse en tout cas si tu t'as touché. Mais ce que j'ai dit là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit dans vos livres, c'est écrit dans la Bible, c'est ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Elle dit, mais non, voyez-vous, mais ça là, mais aujourd'hui, il y a des lois. La loi l'autorise. Donc, ils ont voté des lois pour ça. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas parler, surtout pas toucher à un homosexuel. Ah, c'est la loi. La loi les protège. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Mais quand vous avez des idées comme ça, on vous trouve vous comme étant un fou. Dans ce monde qui change là. Vous dites avec ça. On vous trouve comme un fou. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites. Faites attention à ça. Vous dites amen à ça. Il dit, donc, c'est des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Je reviens à Noé. Qu'est-ce que Noé fait? Noé, il va confondre ses sages et ses savants. Parce que Frère Branham dit qu'à l'époque, les gens étaient plus intelligents que nous. Ah, vous savez cela? Ils étaient plus intelligents que nous. Il y a des choses qui ont été faites à l'époque qui ne sont pas, aujourd'hui, on n'est même pas atteint la moitié de ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Il prend l'arche, il va le construire aussi la montagne. Ils se sont dit, mais Noé, tu es fou. Bon, tu parles de l'arche. Quand tu parles de l'arche, c'est un bateau, n'est-ce pas? Ils ont dit, oui, c'est un bateau. Alors, les bateaux, on utilise sur la montagne ou sur les eaux? Ils ont dit, oui, sur les eaux. Alors, regardez le fou de Noé. Il est allé mettre l'arche sur la montagne. Mais ils ne savaient pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le bateau qui est descendu dans l'eau. Mais l'eau est descendue jusqu'à la montagne. Amen. Dites amen à ça. Frère, il y a des fois ce que vous pensez. Non, vous savez, comment je dois faire ça? Dieu viendra jusqu'à vous. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Comment je vais m'en sortir dans ce chemin? Comment je vais faire ceci? Dieu viendra jusqu'à dans ta maison. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit c'est ça Dieu. Comment je dois m'en sortir de ces problèmes ici? Dieu, lui, il connaît. Amen. Bon, ces gens-là, ils trouvaient Noé comme il était malade. Il dit, comment tu dois faire? Mais ils ne savaient pas que l'eau allait inonder le monde entier. Et qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit, malgré ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à se moquer de qui? De Noé. Ils ont commencé à se moquer de Noé. Or, ils ne savaient pas que dans Noé, Dieu était dans Noé. Voyez-vous ça? Donc, ce qu'ils négligeaient, c'était Dieu qui les faisait. C'est Dieu qui faisait ces choses. Et ils ont commencé à se moquer de Noé. Maintenant, Frère Branham dit ici, voyez-vous? Donc, et Noé avait une révélation venant de Dieu, au paragraphe 55. Pourtant, elle était contraire à tout ce que montrait la science. Cependant, il avait parlé à Dieu, et Dieu lui avait parlé, et il allait préparer une arche. Alors le moqueur et les railleurs, la Bible a dit qu'il serait dans le dernier jour comme en ces temps-là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Des moqueurs, là, les esprits des mères. L'homme peut partir, mais l'esprit reste. Est-ce que vous dites amen à ça? Les esprits continuent, les mêmes esprits. Frère Branham dit que c'est le signe du temps. Ici, dans cet âge ici, on doit avoir des moqueurs. Des gens qui vont se moquer de vous. Amen. Ils vont vous ridiculiser d'une manière ou d'une autre. Vous dites amen à ça? Ce sont les moqueurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils ont commencé à se moquer de Noé. Et Dieu, il pensait qu'il avait perdu, voyez-vous? Et il pensait que Noé avait perdu la tête. Parce qu'il construisait une arche. Mais Dieu apporta le jugement sur ses moqueurs. Parce qu'il ne voulait pas écouter les messagers de Dieu et entrer dans cette arche par sa prédication. Dites amen à ça. Le moqueur, Dieu les a fait quoi? Confondus. Il les a confondus. Est-ce que vous dites amen à ça? Et regarde, Frère Branham parle plus loin, vous allez voir que maintenant quand Dieu, vous savez comment l'histoire de Noé a commencé, il a mis dans ses bateaux tous les animaux. Vous dites amen à ça. Amen. Des animaux, chaque espèce. Dites amen à ça. Ils sont entrés dans l'arche. Mais Dieu a fermé la porte aux hommes incrédules. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Dieu a fermé la porte aux incrédules.
Et maintenant que Noé était dedans, Frère Branham dit que la porte de l'arche, ce n'était pas Noé qui avait la clé. Quelqu'un peut dire ça? Ce n'est pas Noé qui avait la clé. C'était Dieu lui-même qui avait la clé. Frère, vous savez, tel que nous sommes ici, la vie éternelle, ce n'est pas l'homme qui t'amènera à la vie éternelle. C'est qui? C'est Dieu. Qu'importe ce que l'homme a fait. Mais est-ce que ce qu'il fait, c'est Dieu? Dis amen à ça. C'est Dieu qui a la clé de la vie éternelle. Il dit, c'est Dieu qui avait la clé. Noé est en train, c'est Dieu qui a fermé la porte. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, frère, maintenant, posez la question dans ce message pour dire, frère, savez-vous peut-être que nous sommes déjà dans les bateaux? N'est-ce pas? Que Dieu est en train d'appeler des gens à entrer. Et le jour où Dieu fermera la porte, Dieu ne le sait pas. Aucun de ces gens-là savait quand Dieu avait allé fermer la porte. Il pensait que, ah, Noé, c'est notre oncle. Noé, c'est notre papy, on va aller l'appeler, il va nous ouvrir. Ils sont venus, ils ont frappé. Noé, Noé, ouvre la porte. Noé répondait à l'intérieur, mais je n'ai pas le moyen de l'ouvrir. Je n'ai pas la clé. Quelqu'un veut dire ça? Peut-être que pendant que nous sommes en train de parler là ce matin, donc Dieu est en train déjà de fermer la porte. Tu es dedans ou dehors? Tu es aussi parmi les moqueurs qui se moquent de la vie de Dieu, qui se moquent des enfants de Dieu. Dites amen à ça. Tu es dehors ou dedans? Parce que quand Dieu va fermer, tu ne le sais même pas. Ça peut être là ce soir. Je parle donc de l'arche spirituelle, du corps de Christ. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, il n'y aura pas de bateau comme Noé, que tout le monde dise, voilà, venez. Non. Le prophète est en train déjà d'appeler. Ce message, c'est le dernier message qui appelle. Est-ce que vous savez cela? Il dit, sortez du milieu d'eux si vous ne voulez pas mourir avec eux. Donc, c'est le moment de sortir de tous ces misamisamis-là. Quelqu'un peut l'amener à ça? Madame disait, maintenant, qui va nous amener où? On ne va pas encore faire une autre misamisam ici. Ici, nous avons la parole. Ici, ce n'est pas l'homme qui dirige. Ici, ce n'est pas l'homme qui conduit. Ici, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Amen. C'est ça la différence. Amen. Est-ce que vous dites amener à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc Noé a fait toutes ces choses dans toute simplicité. Les gens se moquaient de lui. Mais lui, il faisait son travail. Il t'amène à ça. Les gens parleront du mal de vous. Ne répondez même pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand les gens vont vous injurier, ne répondez pas. Dieu dit, à moi là, à moi la rétribution. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu sait comment récompenser chacun de nous. Amen. Pour chaque bien que vous avez fait, vous aurez une réponse. Et c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Et on est content de ça. Mais n'oubliez pas que pour chaque mal que vous avez fait aussi, vous allez faire quoi? Recevoir votre salaire. C'est la loi de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et voilà, c'est pourquoi la Bible dit, restez, faites le bien à tout le monde. Dites amen à ça. Amen. Faites le bien à tout le monde. Vous ne savez pas, vous savez le monde ici comme on parle. Quand on dit, c'est une expression, le monde est petit. Vous vous racontez, il y a des fois quelqu'un qui était à raconter, ça fait plus de 20 ans. Et tu ne pouvais pas qu'un jour tu pourras voir cette personne-là. Tu arrives quelque part, tu vois la personne. Et dans la situation, ou dans le besoin, ou dans la situation où toi tu as besoin de cette personne. Mais peut-être que c'était la personne à qui tu avais fait du mal. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc, faisons du bien à tout le monde. Dites amen à ça. C'est-à-dire que même à ceux qui se réclament, celui-là, c'est mon ennemi. Lui-là, moi. Mais toi, ne prends pas cette position-là. Aime-le toujours. Dites amen à ça. Amen. Ne vous vengez pas par vous-même. N'essayez jamais de vous venger par vous-même. Laissez Dieu agir. Amen. Quand je le fais moi-même, Dieu ne fait rien. Quand vous le faites vous-même, parce que vous êtes capable de le faire vous-même, alors Dieu ne fait rien. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Laissez Dieu faire. Et vous verrez la rétribution du méchant. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il dit, voyez, Noé, il est allé à ce moment-là. Et les gens sont commencés à se moquer de Noé. Ils ont dit, voilà, mais Dieu les a tous détruits. Dites amen à ça. Amen. Vous allez dire, mais comment Dieu a pu faire ça? Mais oui, Dieu avait, il a dit, il avait tout son, ils avaient tout leur temps. Est-ce que vous dites amen à ça?
Alors quand la pluie a commencé à pleuvoir, il pensait, oh, c'est quoi encore ça? Est-ce que cet homme-là avait, on l'appelait un fou? Et si cet homme avait raison? Dites amen à ça. Et si cet homme avait raison? Mais à un moment, c'était déjà trop tard. Dites amen à ça. Frère, avant de prendre une décision, vous devrez réunir tous les éléments. Amen. Et ces éléments-là, ça doit être quoi? La parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Avant que je prenne une décision pour m'engager à quoi que ce soit, frère, est-ce que vous avez déjà vu un homme qui signe un contrat sans l'avoir d'abord lu? Il faut que ça soit un idiot. Dites amen à ça. Amen. Tu dois t'engager à quelque chose que tu ne connais pas. Bon, tu dis, bon, voilà, on t'a trouvé du travail. C'est comme vous attendez ici, partout, dans ce monde, ici, comment les gens sont trompés. Ils vont en Afrique, ils vont dans les pays tiers monde où il y a la faim. On dit, bon, oh, tu vas aller faire le ménage là-bas. Voilà, voilà, voilà. Tu signes. Et ils signent. Ils viennent ici. Ce n'est pas le ménage, c'est la prostitution. Ils t'amènent à ça. Parce qu'ils ont signé des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et là, ils se retrouvent. Fait, beaucoup de gens que vous voyez dans la prostitution ici, ils se retrouvent là, pas parce qu'ils ont voulu, mais pas à cause de leur ignorance. Ou on les a trompés. Il t'avait dit ça? On les a trompés. Donc un homme est venu là quelque part, il lui a dit, non, moi j'ai beaucoup de choses en Europe là, je vais t'emmener là-bas, tu vas venir devenir ceci, tu vas faire ceci, tu auras beaucoup d'argent. Et les assoiffés, ils croient à ça. Ils viennent ici, ils voient que les choses sont différentes. Mais c'est déjà trop tard. Avant de prendre une décision, amen, un enfant de Dieu se remet entre Dieu lui-même. Entre Dieu lui-même, c'est-à-dire vérifier la parole. Amen. Et aller dans la prière. Amen. Est-ce que ça là, c'est la parole? Est-ce que ça là, c'est la parole? Est-ce que ceci, c'est Dieu? Amen. Dieu parle, vous savez ça? Amen. Dieu parle. Vous pouvez dire, Seigneur, je veux que tu me parles pour ce problème ici. Frère, si tu es sincère dans ton cœur, Dieu te parlera. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si tu es sincère dans ton cœur, Dieu va te parler. Amen. Parce que Dieu, nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu de balle. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donnez une acclamation au Seigneur. Il dit notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de balle qui ne répond pas. Et dit les gens, ah, qui est encore fort, peut-être que votre Dieu dort. Mais le nôtre, il ne dort ni ne sommeille. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il ne ferme pas l'œil. Amen. Il voit toutes choses. À chaque minute, quand vous l'appelez, il est là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. L'autre Dieu parle. Amen. Et croyez à ça. Mettez cela. Donc, comme la Bible dit, mettez-moi de soi dans l'épreuve. Et vous verrez. Amen. C'est Dieu qui dit ça. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est Dieu qui parle de ça. C'est Dieu qui dit ça. Il vous dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez ça. Amen. Mais nous, on ne veut pas ça. Il dit, voyez-vous? Donc, les gens ont été trompés. Les gens ont été vraiment emmenés dans des choses qui sont inutiles. Et ils ont cru. Mais les conséquences étaient quoi? C'était la mort. Il t'amène à ça? C'était déjà trop tard. Les gens disent aujourd'hui, mais moi je suis devenu quand même riche. Un frère disait, ce frère-là qui dit cela, de toute façon, il disait, vous savez, on paie. Il parlait d'une famille qui a été livrée au diable. Hein? Et vous savez que c'est la parole aussi, hein? Bon, ben, on ne le fait pas pour le plaisir. Alors, le frère va vous parler de... Vous savez, on peut livrer quelqu'un au diable. En fait, quand on livre quelqu'un au diable, Paul dit, c'est pour gagner son âme. Que le diable puisse détruire son corps, amen, mais que Dieu récupère son âme. C'est pour le bien, en fait. Quand on livre quelqu'un, c'est parce qu'on vous aimez Dieu. Mais il disait, si ce n'est pas un enfant de Dieu, vous pouvez le livrer et vous allez le voir qu'il prospère. Hein? Il marche à pied, il achète même des avions. J'allais dire un gros mot. Et des gens qui regardent par l'avion. Ah, mais voyez-vous, il est devenu riche pendant qu'il était là. Il est devenu ceci, il est devenu ça. La mort que Dieu parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement la mort physique. Ça peut être aussi une mort spirituelle. Déjà, cadavre.
Mais vous le voyez marcher. Vous le voyez agir. Vous le voyez parler. Oh, faire ceci, faire cela. Frère, regardez. Vous savez, tout le monde qui connaît ce qui vient du village, ils savent ça. Quand vous coupez la tête au serpent, hein, vous pouvez enlever cette tête-là. Littéralement, ça. Vous coupez vraiment, c'est pas que vous la pouvez baisser. Non, vous coupez pas. Vous enlevez la tête. Mais regardez que son corps commence à faire quoi? À bouger. Ça peut quitter ici jusque-là. Le serpent. Dites-moi ça. Donc, quelqu'un, un enfant, quand il voit ça, un enfant qui ne connaît rien, quand il voit ça, hey, le serpent, mais la tête a été déjà coupée. Mais il peut avoir peur. La plupart d'entre nous, on agit comme ça. Dieu a déjà compris la chose. Est-ce que vous dites-moi ça? Dieu a déjà. Parce que Dieu est Dieu. Peu importe ce que vous pouvez voir. Mais regardez à sa parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils ont dit non, Noé c'était fou. Noé c'était fou. Il va nous amener sur la montagne. Parce que vous avez déjà vu de l'eau dans la montagne. Quel bateau qui va là? Et ce n'était pas un petit bateau comme ça, une pirogue. Hein? C'était un grand bateau. Et vous savez qu'on a retrouvé ça en Turquie? Hein? Déjà vu ça? Oui, on a vu ça. On a retrouvé ça. En Turquie, c'est la montagne, le monde. Ah, ah, ah. Et quand vous lisez la Bible, hein, vous savez cela? Dans la Bible, il est dit qu'après la pluie, après qu'il y ait toutes ces choses, que le bateau là de Noé s'est arrêté sur les monts. Ah, aujourd'hui, on a, c'est sur Internet pour aller voir. Donc, Arche de Noé, hein, vous allez voir ça. Ils ont vu, donc c'était déjà des invités, c'était sous la neige et tout ça. Ils ont allé, ils ont creusé, ils ont trouvé. Ils sont entrés même dans les dedans. Ils ont mesuré, parce que les mesures sont données dans la Bible. Amen. Donc, Dieu, peu importe ce que les scientifiques disent, mais Dieu le confond toujours. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils discutaient, oh, le serpent, et même ils ont découvert que le serpent avait des pieds, que le serpent marchait. Dieu va toujours vous confondre. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit voilà. Donc, ils ont discuté avec Noé. Mais à cause de cela, à cause de leur moquerie, à cause du manque de respect à Noé, la fin c'était quoi? La mort. Vous êtes avec moi? Il dit encore, regardez une deuxième personnalité. Prenons un peu, qui ça? Il dit de Moïse. Il y a un autre homme dont j'aimerais parler au paragraphe 57. C'était un grand et puissant prophète du nom de Moïse. Le peuple d'Israël, donc, aurait dû comprendre selon les Écritures que Dieu allait les délivrer et les faire sortir de l'Égypte. Mais aussitôt que Dieu y préparait son homme et l'y envoyait en Égypte, il n'y eut aucun respect pour lui. Amen. Il n'y eut aucun respect pour Moïse. Mais voilà, on dit Moïse était un homme qui ne parlait pas très bien d'abord. C'était un homme, il y a des fois sa femme, comment parler, parlait l'anglais, c'est ça du coup, ou crier sur lui, c'est propre. Amen. Et il dit, c'était un homme comme ça. Et le peuple ne l'ont pas respecté. Vous êtes avec moi? Mais aussitôt que Dieu lui a séparé des hommes, son homme, et lui a envoyé en Égypte, il n'y eut aucun respect pour lui. Il le repoussait et dit, voyez-vous, nous tuons-tu comme tu as tué l'Égyptien. À cause de cela, il dut rester dans l'esclavage pendant une période supplémentaire de 40 ans. Quelqu'un peut dire bien ça? À cause de ça, Moïse, vous savez, Dieu pouvait commencer déjà le programme de sortie quand il était là. Dieu l'avait préparé pour ça. Dites amen à ça. Mais aussitôt qu'il a envoyé, il a dit, mais toi qui es qui? Hein? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a fait quoi? Il a pris fou. Branham dit, ils ont dû attendre encore combien? 40 ans. Amen. Frère, beaucoup des enfants de Dieu manquent leur bénédiction à cause des bêtises. Dites amen à ça. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu manquent, c'est-à-dire leur bénédiction, à cause des choses inutiles
à cause des amitiés, à cause des choses qui ne vous servira à rien. Mais frère, vous avez peur d'un homme au lieu de craindre de Dieu. Un homme, même s'il est riche comme moi, il va me faire quoi? Même s'il me nourrit, dites amen à ça, il va m'amener où? Donc, au lieu de craindre la parole de Dieu, mais nous on craint les hommes. On dit non, c'est mon ami. On dit non, c'est mon père. On dit non, c'est moi ceci. Voyez-vous? Mais regardez ce qui se passe ici. 40 ans, dites amen à ça, des retards. Et 40 ans, c'est toute une génération. Non, quelqu'un a mis déjà des enfants au monde, les enfants sont devenus aujourd'hui grands. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit, voyez-vous, 40 ans, à cause d'une seule erreur. Et frère, madame, disait quelque part, je vous ai dit plusieurs fois, il y a des fois, la plupart d'entre nous ici, tels que nous sommes là, peut-être qu'on ne serait pas au niveau où nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et si tu observes ta vie, tu vas remarquer que quelque part tu as commis une erreur. Quelque part tu as mal marché. Quelque part tu as fait ceci. Aujourd'hui peut-être tu serais, mais je ne sais pas qui. Aujourd'hui tu aurais déjà, je ne sais pas combien de immeubles dans cette vie. Aujourd'hui tu aurais, je ne sais pas combien de voitures. Aujourd'hui tu aurais, je ne sais pas combien d'enfants. Dites amen à ça. Mais à cause d'une bêtise. Parce que Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de toi. Dieu ne fait exception de personne. Quelqu'un peut dire amen à ça. Nos erreurs nous freinent dans notre marche. Et beaucoup de gens quittent cette terre ici dans cette pauvreté à cause de leurs erreurs. Vous êtes avec moi? Et vous allez dire, non, c'est Dieu qui m'a. Non, Dieu m'a béni. Non, est-ce que tu t'es déjà observé? Tu t'es déjà vu? Tu t'es déjà examiné toi-même? Dites amen à ça. Comment tu marches avec Dieu? Est-ce que tu agis selon sa parole? Mais quand les choses ne marchent pas, demain ça veut dire, non, les sorciers dans ma famille. Hein, chrétien, tu vas craindre encore les sorciers dans ta famille? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oh non, ils m'ont bloqué. Un enfant de Dieu ne peut pas bloquer par un sorcier. Dites amen à ça. Si tu marches droit, le diable n'a pas le droit de te bloquer. C'est-à-dire que quelque part tu as laissé des primes, quelque part tu as fait des choses de faux. Mais Dieu nous a donné les remèdes de toutes ces choses-là. Dites amen à ça. C'est cette voie-là que Dieu a pourvu. C'est aller dans cette, là où tu l'as laissé, c'est là où tu le trouveras. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit, voyez-vous, aujourd'hui, ils ont dit rester 40 ans supplémentaires. Quelqu'un peut dire amen à ça. 40 ans, c'était une génération. Il dit pourquoi? Il leur avait promis qu'ils allaient aller faire une certaine chose. Et si Dieu va tenir sa promesse, il allait le faire sortir de toute manière. Mais peut-être que presque une autre génération mourit. L'ancienne génération qui s'était moquée de Moïse et tout le reste et qui n'avait pas accepté le message. Cette génération-là mourit. Il t'appelle à ça? Amen. Cette génération-là mourit. Quand Moïse est venu pour le faire sortir, ils ont dit non, pas toi. Il t'appelle à ça? Pas toi. Je lui ai dit, ah, c'est pas lui, ok. Je le garde. 40 ans. Tous, ils sont partis. Et frère, madame, quand vous regardez, nous l'avons vu, quand nous avons parlé de ces messages, en parlant donc de l'église, amen, dans leur marche, vous pouvez dire ça, si l'église est Israël et en Égypte et toutes ces séries de messages-là, vous allez voir ça. Que pendant leur marche, ils ont dû aussi traîner au moins 40 ans. Dites amen à ça. Et toute la génération presque qui a quitté l'Égypte, la plupart d'entre eux ne sont pas entrés. Dieu a suscité de nouveaux, des jeunes gens, hormis Caleb et qui? Et Josué. Dites amen à ça. Et vous ne vous posez pas la question pourquoi Caleb et Josué est entré. C'est parce que Caleb disait toujours, même Moïse monte, qu'il descend, qu'il monte, nous croirons toujours à ce que Moïse a dit. Amen. Ils étaient fidèles à qui? À Moïse. Amen. Dites amen à ça. C'est la raison pour laquelle ils sont entrés. Mais tous les autres qui ont dit non, qui ont dit, tous les datants, Dieu a ouvert la terre et il les a engloutis. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et Branham dit que le même esprit
les esprits ne meurent pas. La même chose qui s'est passée là, aujourd'hui ça se passe. Là c'était dans la chair, on voyait la colonne de feu marcher. Mais aujourd'hui nous ne voyons pas la colonne de feu présente, mais nous savons que la colonne de feu est ici. Nous ne voyons pas la mer présente comme la mer rouge, mais nous savons que nous traversons la mer. Nous ne voyons pas le désert, je ne sais pas, de Sinaï, mais le désert est devant toi. Dites amen à ça. Vous savez ce que ça signifie? Toutes ces épreuves que vous passez, tous ces problèmes que vous passez, Dieu est en train de nous tailler. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est de rester fidèle avec ce message. Et ce message, si nous restons fidèles, même si le monde. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent, mais frère, qu'est-ce qui se passe dans le message? Tous les anciens, tous ceux qui ont commencé en étant tel frère, ah, il est rétrogradé. Tel frère, il est rentré. Tel... Non, toi, tu restes fidèle. Amen. Amen. Et lui et Caleb, ils sont restés fidèles. Et finalement, ils ont vu la terre promise. Dites amen à ça. Ça ne dépend pas des nombres. Même si le monde entier disait non. Moi, comme Jésus l'a dit plus tard, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Que ma voisine à gauche fasse ce qu'il veut. Que mon voisin à droite fasse ce qu'il veut. Mais moi, je reste fidèle avec cette parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si votre amitié dépend de cela, eh bien, je préfère vous abandonner et de rester avec cette parole. Amen. Je préfère ne pas réjouir de vos besoins, de tout ce que vous pouvez m'apporter, mais que je reste avec la parole de Dieu. Amen. C'est ça la position d'un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oh non, mais bon, il regarde, déjà ils ont les yeux. Ah, frère, tel est l'homme spirituel. Ah, lui aussi il est parti. Amen. Ah, la ça. Mais tu ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qui lui a amené là? Oui. Tu ne sais même pas que c'est peut-être que c'était un agent, je ne parle pas des gens, je dis peut-être que c'était un agent du diable. C'était un mauvais esprit. Mm-hmm. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non. Parce que si quelqu'un n'est pas dans la parole, vous dites amen à ça? Amen. Ce n'est pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Amen. Et beaucoup de gens sont certains. Ah, on a l'eau à la cahier. Donc. Mais le jour où cette sœur-là fera des crédits, alors ça sera ta fin. Mmh. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ne comptez pas sur une personne. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Même si tu me nourrissais, tu me logeais dans ta maison, frère, même si cela est ainsi, la parole de Dieu reste la parole. Amen. Et si tu me cherches dans ta maison, Dieu, lui, il a plusieurs endroits. Amen. Il me donnera une autre place. Amen. Si tu ne me donnes pas à manger, Amen. Dieu, lui, il va me prendre soin. Amen. Il va me nourrir. Amen. Je resterai avec la parole. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voyez-vous? Ils ont dit non. Moïse, c'est fini. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Josué et Caleb sont restés fidèles. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc, c'était quoi? Dieu laissera mourir cette génération et il suscitera une nouvelle génération pour le faire. Ils avaient donc refusé cela. Alors, nous voyons que la génération suivante, lorsque Moïse descendit là-bas pour démontrer ce qu'il était, voyez-vous, trois points, vous savez, Moïse avait peur d'y retourner. Moïse avait alors 80 ans et il avait été loin pendant 40 ans. Et lorsqu'il parla à Dieu au buisson ardent, il dit, qui devrais-je leur dire, m'a envoyé? Dieu n'avait pas de nom. Il dit, qui devrais-je leur dire, m'a envoyé, lorsque je leur dirai, le Dieu de vos pères m'est apparu. Ils diront, qui est le Dieu de nos pères? Alors que leur dirai-je? Et il répondit, tu leur diras que je suis celui qui suis. Amen. Tu leur diras que je suis celui qui suis. Et il dit, Moïse, qui est-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Et il le jeta à terre. Et il le transforma en serpent. Il mit sa main dans son sein et elle en sortit couverte de lèpre. Il la remit et il fut guéri. Il lui dit, va-t'en, va là-bas avec ces signes. Et accomplis-le devant les gens. Et ce sera une confirmation. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Dieu vous donnera toujours une confirmation dans votre cœur. Oui. Là, comme nous sommes en train de lire, là, aujourd'hui, il n'y a pas la mer rouge.
mais nous avons des épreuves que nous traversons. Amen. Nous n'avons pas le désert de Sinaï, mais nous avons des épreuves. Dites amen à ça. Là, il y avait un serpent physique. Aujourd'hui, il n'y a pas un serpent physique. Mais Dieu te parlera dans ton cœur. Il te confirmera quelque chose. Amen. Quelqu'un peut dire la même à ça. Il te dira que non, malgré que c'est Moïse là, ne fait pas ceci. Mais c'est moi qui ai dit. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, non, non, il t'acclamera. Il dit Dieu reste toujours Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il dira, voyez-vous, je suis, il dit, je suis, celui qui suit. Voyez-vous, c'était Jésus. C'était lui. C'était le créateur de toutes choses. C'était Dieu lui-même. Vous dites amen à ça? Et il dit, voyez-vous, qu'est-ce qui est arrivé? Il continue au paragraphe 64. Et maintenant, lorsqu'il descendit là-bas, il appela les gens et accomplit ceci devant eux. Et alors, tout Israël crut, chacun d'entre eux. Et ils allèrent directement au palais pour la libération. Alors, Pharaon décida de ne pas les libérer. Et Dieu laissa tomber le jugement sur Pharaon. Et nous savons ce qui arriva à l'Égypte. Mais regardez encore. Quand il continue d'aller en marche, c'est étrange, n'est-ce pas? Après avoir vu tout ceci se produire, une fois arrivé à la mer Rouge, ayant donc découvert que c'était Dieu lui-même qui avait accompli tout ceci, et bien là, à la mer Rouge, il commençait par douter que Dieu fit, n'est-ce pas, capable de les faire échapper. Et il dit, voilà ce qui arrête beaucoup des enfants de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Depuis que tu es né, c'est Dieu qui a toujours gardé. C'est Dieu qui t'a toujours protégé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et tu as vu. Et il y a des fois, on sait que non. Là, c'est Dieu. Il y a des fois, même les païens disent ça. Ils ne prient pas. Ils disent, Dieu m'a fait quelque chose. Dieu m'a soutenu. Amen. Mais il y a des fois, quand on arrive devant une preuve qui devient perdue, on commence à faire quoi? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne chose? Est-ce que vraiment, je sais que Dieu quand même est vivant. Je sais que Dieu, est-ce que vraiment, le problème de mon mariage là, est-ce que Dieu va arrêter ça? Bon, est-ce que vraiment, le problème de papier, Dieu va faire, ne doutez pas. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Ne doutez pas. Amen. N'ayez pas même cette pensée là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Est-ce que pour ce problème, qu'est-ce que... Dieu est Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Peu importe que le monde dise ce qu'il veut, mais toi, reste avec la parole de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Il dit, voyez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Et Branham dit, si c'est là que nous commençons notre faute. Vous êtes avec moi? Amen. C'est là que nous commençons notre faute. Lorsqu'une petite maladie vous frappe, lorsqu'une preuve arrive sur votre chemin, lorsqu'un petit désastre, un petit ennui survient sur le chemin, alors nous commençons à abandonner la foi. N'abandonnez jamais la foi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ne commencez pas à douter. Au contraire, il faut te dire comme David. Il a dit, mais quand j'étais là dans le désert, et que cet ours est venu pour prendre mes brebis, Dieu m'a soutenu. Amen. Si il l'a fait là, amen, alors ça c'est rien. Amen. Dieu va le faire le même. Amen. Amen. Dieu t'a délivré de la mort. Un frère m'avait parlé d'un accident. Ils étaient dans une voiture, un camion, des camions du Maloba, vous savez, au Congo là. Comment les gens voyageaient, il y a des fois des choses, on louait, on prenait des camionnettes, des bus, des minibus et des choses comme ça. Ils ont fait l'accident. Tout le monde sort mort sauf lui. Oh. Alors, lui, il sort. Il dit, mais pourquoi Dieu m'a gardé? Il t'amène à ça. Pourquoi Dieu m'a gardé? Et maintenant, il vient ici en France. Il arrive que la situation n'allait pas. Tout ne marchait pas. Dites amen à ça. Il cherchait par tous les moyens pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il dit, j'ai cherché dans tout ce que je peux me rappeler. Je ne vois rien qui peut m'empêcher que je puisse vivre comme tous les autres. Pourquoi je ne peux pas trouver du travail? Pourquoi je n'ai pas de papier? Pourquoi toutes ces choses-là? Est-ce c'est Dieu-là? Il dit, mais regardez ce qui m'a renforcé, c'est-à-dire que je pouvais mourir ces jours-là. Amen. Alors, si je ne suis pas mort, c'est dit que Dieu a quelque chose à faire avec moi. Amen.
alors ça là, c'est le diable. Je crois que Dieu va me bénir dans cette vie. Frère, voilà la position d'un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un homme épanoui. Vous dites amen à ça? Hein? Ne soyez jamais découragés. Quand Dieu, vous savez, quand Dieu vous a quitté votre pays, il vient ici pour le plaisir. Vous pensez ça? Non. Nous, on pensait qu'on va là pour des études, offrir Jésus, Jésus. Il y avait une autre arme derrière. Dites amen à ça? Ah, c'est comme cela. Ne pensez pas que vous êtes là par hasard. Des problèmes par lesquels tu es tenté de passer. Mets ça dans la parole de Dieu. Dites amen à ça? Mets ça dans la parole de Dieu. Donc, ça se résolve facilement. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas le mettre dans la parole de Dieu. Je vous dis la vérité, frère. Dites amen à ça. Le problème que tu as, au lieu de fuir, au lieu d'aller chercher des féticheurs, au lieu d'aller chercher de ceci ou de cela, prends ce problème-là, mets ça dans la parole. C'est-à-dire, donne ce problème-là à qui? À Jésus. Ça, c'est le résultat seul. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est comme quand vous mettez quelque chose dans quelque chose. Vous savez, il y a des. Ça vous rappelle. Un produit. Comme l'acide, hein, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des seules choses quand vous mettez dans cette liquide-là, toute la saleté. Oui. Ça part à la seconde. Genre de détergent. Dites amen à ça. La parole de Dieu, c'est comme ça. Tous vos saletés là, venez avec ça, mettez ça dans la parole. Ça va se résoudre seul. Mais quand tu fuis, frère, vous allez voir que le problème, c'est quoi? Un frère le disait toujours ici. Quand vous voyez un frère, commencez à fuir le frère. Dites amen à ça. Un frère qui fuit le frère, il y a un problème. Amen. Correct. Vous dites amen à ça? Un frère qui fuit de frère, une soeur qui fuit de soeur, il y a un problème. Correct. Il y a un problème. Parce qu'il vous voit déjà. Vous savez, ils sont trop intelligents. Hein. Quand il est dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il peut vous voir à 5 km. Pourquoi est-ce qu'il est en pantalon? Alors, il va être. C'est dire, qu'est-ce qui vous fait ça? C'est dire, il y a quelque chose de faux. Amen. Tu es déjà en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça. Maintenant, comment ça, tu vas voir? Peut-être que je vais voir. Alors, dès qu'elle va vous voir, ou lui, il va vous voir toujours en premier. J'ai oublié la vérité. Il va toujours vous voir en premier. Comme ça, il prend ses dispositions. C'est-à-dire qu'elle va se cacher quelque part. Elle va passer. Dites amen à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la bouille rouge. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais au lieu de faire ça, bien-aimé, prends ça, mets dans la parole de Dieu. Dis Seigneur, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je prends ces fardeaux, je te les donne. Tous ces pantalons, je te les donne. Toute cette fumée, je te les donne. Tous ces bières, je te les donne. Vous êtes amen à ça? Vous allez voir, ça va disparaître un an. Jusqu'à un jour, tu te diras, ah, mais est-ce que c'est moi là ou c'est qui? Moi qui fumais du matin au soir, je n'ai même pas envie de fumer. C'est ça Dieu. Amen. Ne fuyez pas, venez avec vos problèmes à Dieu. Amen. Et n'essayez pas de les cajoler ou de les cacher. Non. Vous allez les cacher là, tu viens à Dieu. Mais il est toujours là. Dites amen à ça. Viens avec ça, dit Seigneur, voilà. Je te le donne. Lui, il penche. Il a dit, mais venez, tous, vous tous qui êtes chargés, apportez tous vos fardeaux. C'est ça les charges que vous avez. Dites amen à ça. Au lieu de fuir, de faire, au lieu de se cacher, non. Dites, frère, priez pour moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu agira. Dieu le fera. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, j'avance un peu pour aller vers la fin. Il dit, regardez que lorsqu'une petite maladie vous frappe, lorsqu'un petit désastre, un petit ennui survient sur le chemin, alors nous commençons à abandonner la foi. Un jeune converti, quelqu'un se moquera de lui et dira, tu n'es rien d'autre que Holy Rollers. Voyez-vous? Et c'est ça la chose qui fait cela. Déjà, dès que tes amis commencent à te dire, toi là, il y a quelque chose. Alors on commence à avoir peur. Hein? Je vous ai parlé, je ne vois pas ma belle fille aujourd'hui. Elle a travaillé. Elle est venue, cette sœur-là.
Et comme elle n'est pas là, j'en parle. Son mari est là, mais... Hein? Tu gardes un peu. On la connaissait. Maman Angélique, elle est là. Elle habitait même immeuble avec eux. Et Maman Angélique et les enfants venaient avec le Véro là. Véro, elle est là aujourd'hui. Elle était petite comme ça. Cet enfant-là, à 7 ans, il prenait le métro seul. 7 ou 8 ans. Véro, là. Elle quittait... Je vous dis la vérité. Sa maman est là. Sa maman est là, non? Elle est là. 8 ans. Moi-même, j'avais même peur. J'ai dit, on a dit à mon épouse, avec mon épouse, à dire maman, j'ai dit, mais moi, j'ai dit, pourquoi tu l'as laissé? Non, elle veut partir seule. 7h, 8h, elle quitte, elle prend le métro seule. Jusqu'à l'église. Amen. Ces ailes-là, il faut que ça revienne. Amen. Dites amen à ça. Amen. Seul. Et ils habitaient dans le même immeuble avec, avec la petite, la femme de mon époux. Et un jour, elle est venue. J'ai dit quoi? La femme de Gauchy. Vous comprenez mon émotion. Et ils habitaient dans le même immeuble. Un jour, cet enfant-là est venu à l'église. On a parlé de la parole, on a parlé. Ah, il c'était une jeune fille. Elle a aimé, on a aimé. Il a dit, mais pasteur, il faut que je vienne. C'est la petite soeur de frère Joseph Mayenne. C'était à la veillée. Elle rentre à la maison. Sa maman dit, quoi? Toi, tu es parti à l'église de maman Angélique. La belle église là. Hein? Là, si je te vois, elle a commencé à taper cet enfant. Et cet enfant lui a fait quoi? A eu peur de venir à l'église. Elle est restée. Quelques temps après, on attend que non. Hein? Elle n'est plus à la maison. Il faut la chercher. Et c'est moi qui viens l'appeler. Dis maman, je vous avais parlé. Quand votre enfant va à l'église, remerciez Dieu. Dites-moi ça. Votre enfant prend la décision d'aller prier, d'écouter la parole de Dieu. Vous voulez que vous le voyez aller dans des boîtes de nuit? C'est ça la chose? Non. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les problèmes sont arrivés. Et c'est toujours, comme on dit toujours, c'est même ce que vous négligez, c'est quand les problèmes sont arrivés, c'est moi. Maman Angélique est là. On a appelé. Ah, il faut que tu viennes. La maman est même. Il faut qu'on prie pour l'enfant. Mais maman, quand cet enfant l'avait pris la décision de venir, vous l'avez empêché. Et maintenant, voilà que les choses sont ici. Et maintenant, vous faites ceci. Et maintenant, cet enfant a commencé encore à revenir à l'église. À un moment, elle est venue ici. Et à l'école, on commence à me dire, mais c'est... Parce que quand à l'école, maintenant, quand on parlait des choses comme les pantalons, elle disait, non, ça c'est mauvais. Ça, c'est pas bon. Quand on parlait des choses comme des mèches et des choses comme cela, il disait non, des maquillages. Ses amis commençaient à lui dire, oh, mais toi, tu es devenue folle. Je vous dis la vérité. Tu deviens folle. Et là, il perd. Il est venu me dire, pasteur, mais mes amis là me disent que je suis devenue folle. Je dis, pourquoi tu deviens folle? Oh non, parce que j'ai dit, quand tout ce qu'ils disent, moi, je dis non. Ils me trouvent que ma tête a. J'ai dit non, c'est le diable. Je vous ai dit ici, tous qui vivront piègement seront persécutés. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Amen. Et il dit, pour Dieu, quand vous prenez la position pour la parole de Dieu, le monde vous considère comme quoi? Comme de fous. Ils ne peuvent pas accepter, dire, ah, toi qui faisais des choses ici, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est ça. C'est juste, quand ils arrivent à ça, dites que. Dieu a fait quelque chose dans votre vie. N'ayez pas peur de ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça. Beaucoup de gens, quand on lui dit, toi tu ne fumes plus. Toi tu ne viens pas dans le bar avec nous. Toi tu ne viens pas à la gare du midi, à la gare du nord, et des choses comme ça. Il commence à avoir peur. Ah, peut-être quelque chose. Et puis il retourne. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Quand tu entends ça, parce que tu dois être différent du monde. Amen. Dites amen. Amen. Si le monde vous aime, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Parce que quand tu fais des choses comme eux, tu critiques comme eux, vous cherchez des hommes comme eux, vous parlez des choses comme eux, il n'y a rien, vous êtes comme eux. Mais quand Dieu travaille dans votre âme, tu deviens fou ou folle pour le monde. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. C'est cela la chose.
comme nous, nous les voyons comme des fous. Nous disons, mais comment ces gens ici font des choses? Nous les regardons comme des fous. Hein, en faisant, en regardant une femme qui sort, dit dans la rue, on dit, mais elle est folle. Et Branham dit que l'esprit de la prostitution est ici. Savez-vous cela? Frère Branham dit ceci. Quand une femme sort dehors, nue, même s'il ne touche pas un homme, il ne cherche pas les hommes, mais il dit que l'esprit de la prostitution est si réel. Il t'amène à ça? Amen. L'esprit de la prostitution est si réel. Et on doit vérifier toutes ces choses. Et Frère Madame dit, un véritable homme ne laissera jamais sa femme sortir nue dehors. Pourquoi? Il dit parce que si cela est ainsi, alors c'est l'homme qui est comme ça. Parce que la femme reflète l'homme. On doit faire attention à toutes ces choses. Maintenant, quand nous revenons ici, qu'est-ce que nous voyons? Frère Branham dit ici, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Dites amen à ça. Oh, cette preuve me dépasse. Non. Dieu ne peut jamais permettre une preuve dans votre vie qui vous dépasse. Amen. Tu vas gagner ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu gagneras cela. Il dit, voyez-vous, c'est le moment de garder votre position. Paragraphe 68. Eh bien, il y a des textes qu'on m'appelle un joli, voyez, vous voyez, eh bien, on commence à avoir peur. On commence à dire, que diront mes amis et mes collègues au travail? Ils vont me voir comme je suis dépassé, comme j'ai sauté. Non, qu'ils disent ça. Que tu sautes pour Dieu, c'est une bonne chose. Amen. Il dit, voyez, il dit, c'est le moment de garder votre position. C'est le moment de respecter les messagers. C'est le moment de donner gloire à Dieu. Amen. Il t'appelle à ça? Et Moïse dit, j'ai déjà accompli ces 10 miracles devant vous, voyez-vous, vous a donné 10 miracles et tout cela. Et maintenant ils ont dit, mais non Moïse, pourquoi tu nous as fait partir de là? Mais ils ont oublié que devant Pharaon, Dieu a accompli des choses. Il t'appelle à ça? Si Dieu les a délivrés de Pharaon, avec toute l'armée qu'il avait, est-ce que Dieu était incapable de les livrer devant les sept mers rouges? Non, il n'était pas incapable. Et Dieu les a encore prouvés qu'il était toujours Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il les a prouvés parce qu'il savait que c'était le message de Dieu, c'était le Dieu qui a parlé. Et nous voyons qu'un jour, même Marie, une prophétesse, et Aaron, les souverains sacrificateurs, se moquèrent de la femme de Moïse. Dites amen à ça? Ils se sont moqués de la femme de Moïse. Et c'était quoi? Moïse était un prophète de Dieu. Dites amen à ça? Et la loi en Égypte, pardon, la loi de Dieu disait que un juif, n'est-ce pas, un chrétien ne peut pas aller prendre une étrangère, une femme étrangère. Et Moïse a épousé une étrangère qui était une éthiopienne, une noire. Et Frère Madame dit, regardez, il y a des fois, les problèmes ne commencent pas avec des petits peuples. Dites amen à ça. Vous pouvez dire amen à ça? J'ai beaucoup d'expressions là-dessus, mais je ne l'ai pas ici aujourd'hui. Je vous le dirai si vous le voulez. Il dit, il y a des fois, les problèmes ne commencent pas avec des petits peuples. C'est des gens sur qui on peut dire, bon, lui. Dites amen à ça? C'est lui. C'est ce que vous pensez que cet homme-là, il est l'homme le plus spirituel. Mais souvent, les problèmes commencent avec eux. Frère Madame dit, les problèmes n'ont pas commencé à n'importe qui, c'était une prophétesse. Une prophétesse, Myriam était une prophétesse. Dites amen à ça. Et Aaron était un prédicateur, il était un sacrificateur. Il apportait la parole avec Moïse. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit, il y a des fois, c'est ça. Il dit, Frère Madame dit, dans une situation, il dit, à l'époque de Jésus, quand on tue Jésus, n'est-ce pas, les réunions qui se faisaient, c'était les anciens. Vous savez ça? C'est parmi les anciens qu'ils commencent et ils influencent le petit peuple. Il dit souvent, c'était comme, c'est toujours comme ça. Un homme influent, Frère Madame dit, il prendra un homme influent. Il ne prendra pas quelqu'un petit frère qui ne dure rien, qui connaît, ou qui vient, qui s'assoit, qui fait sa vie. Non. Il prendra un homme influent. Et pourquoi il prend un homme influent? Mais parce qu'il a déjà de l'influence. C'est simple, non? Il a déjà de l'influence. Et Frère Madame dit, il prendra maintenant du poison. Il va lui donner et il commence à instiguer, à projeter dans l'église. Il dit, c'était Aaron. Aaron, c'était un sacrificateur. Et sa sœur était une prophétesse. Dites amen à ça. Elle parlait en langue.
Elle chantait en langue. Elle priait en langue. Myriam. Et c'est elle qui commence à critiquer. Ah, mais non! Il ne pouvait pas prendre la fille, hein, cette fille-là. Et Dieu a dit, vous allez voir ce que je veux faire. Il les a appelés tous deux. Il a dit, venez, vous, quand j'ai des choses à vous dire, ce petit peut-être paraît un petit songe. N'est-ce pas? Mais Moïse, c'est face à face que je le vois. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous n'avez pas peur de parler du mal de Moïse. Moïse, là, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais ils ont commencé à mal parler de Moïse. Alors, qu'est-ce que Frère Madame dit ici? Il dit, voyez-vous? Et Marie, une prophétesse, Aaron, je suis au paragraphe 72, le souverain sacrificateur, s'est moqueur de la femme de Moïse parce qu'elle était éthiopienne. Il pensait, n'y avait-il pas assez de femmes à marier dans notre propre groupe sans avoir besoin d'aller là-bas et d'épouser cette femme? Maintenant, c'est si que ça ne vous donne pas l'occasion d'aller prendre des filles d'amour. Frère Billy. Vous dites amen à ça? Non! Que ceci ne vous donne pas l'occasion d'aller chercher des femmes dans le monde. Nous avons des sœurs ici. Amen. Amen. Dites amen, frère. Amen. Nous avons des sœurs. Et vous, sœurs, nous avons des frères. Amen. Parce que vous imaginez, vous dites non. Un homme idéal n'existe pas. C'est dans vos rêves. Amen. Il faut que ce soit un homme qui va venir en Mercedes blanc. Il faut qu'il y ait et qu'il mesure un peu 1m80. Il faut que ce soit ceci. Frère, c'est ça dans vos rêves. Et Dieu va vous confondre. Il vous enverra un petit homme comme ça. Dis jamais là ça. Il va t'envoyer une petite homme comme ça. Et tu vas dire, ah, moi qui pensais que j'allais le regarder comme ça, moi je le regarde. Ça c'est Dieu. Dis jamais là ça. Et il y a des frères qui pensent que non, il faut que ma femme soit ceci, soit cela. Non, Dieu, un frère nous a fait, je vous dis frère, c'est un frère. Maintenant qui s'appelle, il était à Nantes là. C'est un frère qui venait de Lubumbashi, j'ai oublié son nom. Il était Manika. Frère, mais il doit le savoir. Frère Manika, quand vous le voyez, c'est un homme comme ça, grand, costaud. Hein? Des Katangana, avec le foufou des manioc, des massacres. Hein? Donc, c'est pas comme frère Richard, comme ça, un grand homme comme ça. Quand il venait là, et lui, il disait il faut qu'il épouse une femme qui soit comme lui. Une grande femme, une femme de poids, comme on l'appelle au Congo. Alors un jour, il restait lui prier pour avoir une femme. Alors il voit et il a vu une vision. Dieu lui donne une vision. Une petite femme. Il dit non. Je crois que c'est mes pensées. Il dit, frère, quand il me raconte cette histoire, j'étais là à l'église avec une de côté là. Il dit, cette soeur-là, il est arrivé juste là. Et ça, c'est ce que lui, il haïssait. Frère, Dieu lui a dit, c'est elle ta femme. Ah oui, je vous dis la vérité. Et c'est elle la femme. Dites amen à ça. Et l'autre pensait qu'il faut que c'était une femme. On a fait licence. Aujourd'hui, on l'appelle le master. C'était une jeune femme qui a étudié, qui avait la licence. Et dans ses pensées, il pensait qu'il faut qu'il prenne aussi un ministre. Dites amen à ça. Il cherchait à se marier. Et il y avait un homme dans l'église, c'était un ancien militaire qui était devenu cordonnier. Et il était dans l'église. Et cet homme-là aussi cherchait à se marier. Alors il voulait avoir un signe de la part de Dieu. Il a dit, Seigneur, vraiment j'ai fait longtemps dans cette église. Ta parole dit qu'on ne peut pas aller chercher des femmes dehors. On peut pas aller de païennes. Alors donne-moi une femme. Aujourd'hui, je ne sors pas de l'église. Et si ma femme est dans cette église ici, qu'elle reste aussi à l'église. C'est ça le signe qu'il avait demandé. Il dit, moi je vais rester à l'église, je vais rester prier. Mais quand je vais terminer la prière, que je vais me lever, que je vois la femme qui t'a préparée. Frère, vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Et le frère, il a dit, mais Seigneur, et il est resté.
blessé ces jours-là. Il dit, tout le monde sont sorti. Les diables sont venus passer. Mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, il respire. Derrière, il y avait aussi les serviettes qui avaient demandé aussi une prière. Voyez, elle était une licenciée. Elle avait beaucoup étudié. Mais elle ne trouvait pas de mari. Il y a des femmes, les autres, on dit, bon, elle est toujours. Elle est très élevée, elle a beaucoup étudié. Les gens ont peur de vous. Mais mettez ça entre les mains de qui? De Dieu. Frère, les gens sont sortis, les gens sont sortis. Le frère est laissé là à genoux. Il a prié, il a prié, il a prié. Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Il est là, après, il se lève pour sortir. En sortant, il jette les yeux à droite. Une soeur qui était là aussi en train de prier. Et il sort à la porte. Il dit, oh, moi j'avais demandé à Dieu que elle est dans cette église, qu'elle reste. Est-ce que c'est cette sœur-là? Mais cette sœur-là, c'est une grande personne. Moi, je suis un cordonnier. Est-ce que. Frère, il y a des fois, les femmes savent faire peur aux hommes. Et la sœur aussi, elle sort, elle quitte la solution. Le frère est à la porte. Il dit dans son cœur, mais comment je vais commencer pour lui dire? Je vais. C'est une sœur que je ne peux pas imaginer. Elle est licenciée, moi je suis cordonnier. Est-ce qu'il m'acceptera? Toujours. Ah, la sœur voulait. Frère, bonjour. Mais ma sœur, j'avais quand même quelque chose à vous dire. Quoi? Vous savez, quand il y a de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il avance, il parle à cette soeur. Non, soeur, moi, vous savez, moi, ça fait des années que je suis ici et je cherche à me marier. Alors, j'avais demandé un signe à Dieu. Amen. Un signe à Dieu. Que Dieu compte ma femme. Mais j'ai vu que cette femme-là, c'est toi. La sœur a rigolé. Aïe. Ah ouais, ma vie, c'est Dieu qui t'a dit ça. Ok. Mais si c'est Dieu qui t'a dit ça, alors rendez-vous le dimanche prochain. Parce que moi, tel que tu m'as vu là, j'avais aussi demandé à Dieu de me marier. Et je voulais savoir c'est qui mon mari. Mais je pense que Dieu a travaillé de l'écouter. C'est toi, mon mari, on va parler au pasteur. Et c'est comme ça que cette frère et cette soeur se sont mariés. Mais si ce frère pouvait compter sur ses propres capacités, il n'allait pas prendre sa soeur. Et souvent, on pense que, non, le mieux vient toujours d'ailleurs. Non, prier Dieu, ça peut venir d'ailleurs. Dites amen à ça. Mais il faut que ce soit la volonté de qui? De Dieu. C'est ça que Dieu fait dans la simplicité et Dieu le fera. Maintenant, je termine par ici. Frère Branham dit dans ce message ici, peu importe ce que ton frère a fait. Dites amen à ça. Peu importe ce que ta soeur a fait, ayez au moins du respect. Amen. Peu importe ce que ton mari a fait, peu importe ce que ta femme a fait, ayez au moins de quoi? Du respect. Quand vous respectez cet homme, quand vous respectez cette femme, quand vous restez ce frère ou cette soeur, vous respectez qui? Dieu. Et Dieu vous honorera d'une manière que vous ne pouvez pas s'attendre. Et Dieu vous respectera aussi. Est-ce que vous croyez à ça? Il est Dieu. S'il l'a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça? Non. Vous allez nous l'aider. Allez avec cela sur votre cœur. Que le respect, je le dois à mon frère comme je respecte Dieu. Il t'a fait ça? Je respecte ma soeur, je respecte ma femme, je respecte mes enfants, je respecte mon pasteur, je respecte tout le monde. En le faisant, je ne le fais pas pour un homme, je le fais pour Dieu. Et Dieu vous bénira. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous allons nous lever. Et nous allons. Frère, chacun de nous, tu te connais. Amen. Chacun se connaît ce qu'il est. Et s'il y a quelque chose que Dieu t'a parlé encore ce matin, ce Dieu-là, il est ici. D'une manière ou d'une autre, il répond à la prière. Nous allons chanter un petit cœur. Et... Oh.
Shazam.